Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce probablement dernier épisode d'Europa Universalis 4 sur Kmelan avec Damned. Bonsoir Damned. Eh bien bonsoir. Et on se retrouve donc pour la fin de la guerre avec le Ming, pour la prise du mandat céleste. Et puis on va tester un truc, je vais essayer de faire une paix séparée pour le bouffer au maximum, et puis on verra derrière si Damned peut récupérer lui de son côté le truc. On va tester. On va tester ça pour voir, voilà. Comme ça on saura un peu comment ça se passe. Les offres de paix séparées quand il y a des joueurs, etc. C'est cela. Au niveau des états, ouais, si ça sera fait partie de l'état, ouais. Pff, on s'en fout. On s'en fout totalement. De toute façon, il est à poil. Allez, diplomate, il est arrivé, hop là, donc du coup, je fais une paix. Alors, la confiance des Khmer va diminuer, la confiance de Dali va diminuer, on s'en fout un peu. Ah mais il veut pas. A besoin d'un Et score c'est... de guerre d'au moins 10 pour faire une demande. Ah, j'ai même pas 10 de score de guerre avec lui en fait. Peut-être ah. Parce que ce qui a donné du score de guerre, est-ce que ce serait pas la prise des territoires du coup? Ah ouais, toi t'occupes deux territoires, donc en fait t'es à 0,30 de score de guerre. Bah ouais, là je suis considéré comme étant à 4%, j'ai le maroir en fait qui me donne 0,20, 0,10 à chaque occupation, mais comme c'est du territoire pourri, ah, en fait, le truc que tu devrais faire, ce que t'as donné à maroir, reprends-le. Parce que du coup, toi tu peux l'accepter alors que lui, il y a plein de territoires que je pourrais lui filer, mais qu'il n'accepte pas. Je suis pas sûr que... Attends, je vais regarder, genre... Et comme t'es en train de le bouffer... Là. Ah mais tu peux pas le reprendre ? Ah si, je peux le reprendre, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose, en fait. Il faudrait que je vois... Je pouvais en donner beaucoup plus tout à l'heure, quand j'ai fait mes tests, mes simulations, avant que tu fasses ça. Attends, je vais regarder. Carcan, ça coûte 0,20 score de guerre, si je le reprends... Non, c'est pas le problème, c'est que Marois refuse que je lui en donne, en fait. C'est ça, le truc. C'est que par exemple, tu vois, deux, si je veux lui donner Urumqi et Béchalik, il refuse. Or que avant, quand je voulais te le faire à toi, toi tu vas pas refuser, et de toute façon tu vas le bouffer. Donc en fait, il vaut mieux que tu les récupères toi. Ouais, de toute façon, le maroir, t'es en train de le bouffer, donc. Oui, et puis la paix séparée, de toute façon, ne marche pas. Enfin, ne marche pas parce que j'ai pas un assez gros score avec lui, malgré les tatanes. Voilà. Et ça change rien si je reprends le territoire, ça compte pareil en score de guerre. Donc. Ça je te le donne. Ouais, après de toute façon je vais pas aller jusqu'à là, hein, honnêtement. Oui bah j'imagine, de toute façon, surtout que j'imagine que ça doit coûter un certain score le mandat céleste. 50%. Oh ça va, j'aurais cru que c'était pire que ça. Est-ce que tu peux juste me donner Andig, il y a 38 000 hommes qui sont en dessous. Ouais, mais alors dans ce cas tu me donnes Xingning. Non, je m'en fous. C'est où ? C'est la province juste à côté. Ça fait partie d'un état qui va peut-être m'appartenir. Ça dépend jusqu'où tu vas. Mais... Ah ouais, tu regardais l'état. T'en es encore à regarder l'état, toi, en fin de partie, quoi. Bah ouais, faut pas perdre les bonnes habitudes. C'est vrai. Ah bah non, mais de toute façon, je peux même pas le demander. On demandait un tribut représentant plus de 100% de score de guerre. Ouais, je peux te filer ça, mais c'est la misère. Ouais, non, mais t'en fais pas. Hein. Déjà là, on va bien blober. J'aurai la Transoxiane à terminer. Allez, les Ottomans à les bouffer. J'ai de l'expansion possible à l'ouest. Pouf, 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 pouf. Alors. Pouf. Va contester le mandat céleste à ce faux prétendant qu'est le Ming. Bah, et du coup, c'est moi. Ah oui, Khmer. Rigolo. Et du coup, j'ai pas 62 mandats directs. L'empereur de Chine est Tomo Rea Charnissième Reap. Ouais, le mec il est président et empereur. C'est classe, c'est classe. Par contre, ouais, il faut des tributaires quoi. Parce que là, il se casse la gueule grave ton truc. Ah bah oui, non mais c'est sûr hein, que ça allait pas être. Le problème c'est qu'il reste plus beaucoup de petits pays à tributariser. Non, c'est clair. Mais c'est quand même beau, franchement, c'est quand même beau, j'avoue. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il a chuté le Ming du coup ? Il est toujours quatrième, hein ? Bah, c'est des territoires qui font, c'est pas le fait qu'il soit tributaire en même temps. Ouais, non, clairement. Bon, alors, bah attends, écoute, je vais vite fait donner. Vas-y, en attendant. Les provinces à machin.
Non, là, pause. Que je fasse pas de la merde dans la panique. Kekilik. Hop, il va commencer à légitimer, il aura peut-être pas le temps avant que je finisse de l'intégrer, mais c'est pas grave. Du coup, le pauvre Tondo, il est tout seul en fait. Turpan, c'est où? Ok, c'est absolument pas par ordre alphabétique. Urukmi. Hop. Béchet. Ah, il s'est fait un petit peu bouffer du coup en Amérique. Le Ming. Un petit peu, hein. Ouais, j'imagine qu'il était bien occupé là. Hein. Et le Manchu a débarqué en Alaska. Énorme. Alors faire tout drôle. C'est où cette province sincère? Ah oui, d'accord, du coup, comme je suis devenu l'empereur céleste là, j'ai récupéré un nouvel ordre qui s'appelle les Qin Wangs. Ils représentent famille de l'aristocratie terrienne du pays. Ouais, ça représente les c'est la même chose que les nobles avant en fait. Ouais, c'est les nobles avant quoi, ça sert à rien. Sympa. Ça sert à rien, c'est quand même classe quoi. Non, mais je veux dire, enfin, je sais pas pour ceux qui ont peut-être suivi ou pas, mais dans la nouvelle extension qui va arriver, ils vont un peu personnaliser. Alors, je sais pas à quel niveau, parce que je pense pas que tout le monde sera concerné non plus, mais ils ont un petit peu personnalisé les ordres selon les pays en fait. Ou plutôt selon les cultures, j'imagine. Donc, ça va faire un peu du bien parce que c'est vrai que. Il touche au Ming, parce que le Ming a déjà bien été... Je sais pas s'il touche au Ming, mais je sais que par exemple en Inde, qui va être la principale mise à jour, comme par hasard, les ordres vont être revus. C'est-à-dire que selon que tu joueras par exemple en Inde ou en Indonésie, les ordres ne feront pas la même chose, n'auront pas le même nom. Alors après, jusqu'à qui il touche, je sais pas s'il touche le Ming ou autre, mais là par exemple t'as les Qin Wangs chez le Ming, mais en fait c'est exactement la même chose que les nobles. Ils ont un nom à part, mais l'effet le même. Tu peux faire la même chose. Plus de troupes, convoquer l'assemblée, vitesse recouvrement en bonus, modification, c'est la même chose. Alors que les nouveaux seront un peu plus personnalisés, on va dire. Oh, c'est la seule chose. Je serais curieux de voir ça, ouais, effectivement. En même temps, c'est vrai que ça en avait un peu besoin. Hein. Cette extension, elle a balancé ça, et puis ils sont jamais revenus dessus non plus, en disant « Ah ben, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. » Je suis en proie à un désastre. Bah voyons, quelle drôle d'idée. Ah sûrement parce que le mandat est bas, non? Au moins l'une des deux conditions de mutualité est en proie à un désastre ou a mis en avant deux cultures chinoises. Ce n'est pas le cas, effectivement. Ah oui, pas bête, faut-il mettre en avant des cultures chinoises. Intéressant. On va le faire, hein. Pas trop le choix de toute façon. Alors du coup, en attendant, où est-ce que ça gueule à Oman? Voilà, plus de désastre. Ouais, bon, bah, ça va gueuler. Hein, si vous le dites. Ça va gueuler, ils vont pas casser les couilles. Ça descend pas, ça? Ah oui, voilà, si, ça descend, on est d'accord. Des points non, on s'en fout un peu. On en a beaucoup trop. Ouais, on va remonter la stab. Voilà. Alors, les petits séparatistes tout bidons de la Grande Horde sont arrivés. C'est parti. En avant les mecs, allez défoncer ça. Bon, les troupes, je les mets pas en marche forcée. Elles vont rentrer tranquille au pays. Ouais, qui profitent un peu de la vie. C'est ça, qui. Ils puissent un petit peu profiter. De ce territoire. Attends, il y a déjà des rébellions. Ah, il y a des révolutionnaires Ming qui ont popé. Oh, le pauvre. C'est ouf quand même d'être toujours une quatrième puissance avec en étant aussi défoncé. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Hein. Bon, après, Mbekin, c'est une province à 50, hein, donc forcément ça pèse. Quoi. Une épidémie. Ouais, faisons quelque chose. On doit reprendre un emprunt pour ne pas changer. Alors du coup par contre c'est plus un rival valable. Si, c'est toujours un rival valable. Et l'autre rival valable c'est les Khmer.
Donc on va l'insulter, voilà. On vient de lui piétiner la tronche, donc pourquoi ne pas l'insulter? Au passage. Ça mange pas de pain. Offre de mariage royal du Japon. Je croyais que j'avais pas le droit d'avoir de mariage royal. Ah bon, pourquoi t'aurais pas le droit? République. Ah mais non, je suis plus dans République du coup. Ah ouais. Ah ouais, t'es ah redevenu un empire. Je suis devenu un empire céleste. L'empire céleste, propre à la Chine. Les souverains se prétendent fils du ciel. Ouais, ça doit être ça. Ah ouais, j'ai une reine et tout, donc mon président il a... Ah non, mon président est devenu empereur, d'accord. Et il a 666, bah c'est beau. C'est beau. Moi je dis, y'en a et cheat, hein. Ouais, un peu, ouais, j'avoue. Booster le mec en pourrissant ta tradition républicaine pour ensuite devenir empereur en défonçant le Ming, c'est quand même beau. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est un beau petit final, moi je dis. Bon, moi, niveau objectif de partie, c'était prendre toute l'Inde. Mis à part ce que je t'ai laissé, plutôt bien. Le convertir à la foi Theravada, c'est fait. Les seuls trucs qui me restent à convertir, c'est par ici, là. Et tu peux pas créer l'Inde dans le jeu, alors, hein? En fait, si, tu peux créer deux pays selon ta religion, l'Hindoustan et un autre truc. Mais pour faire le succès, il faut rester Ceylan. Et le Bharat, voilà, le Bharat. Attends, mais si tu veux, tu peux le faire, là? Non, je peux pas le faire parce que je t'ai laissé le delta du Bengale. Mais si j'avais le delta du Bengale, je pourrais le faire. Ouais. Je peux te le donner, hein, si tu veux, pour la fin de partie. Hein. Il manque Delta du Bengale, Dhaka, Goda et Chattagram. Bah, en gros, il me manque tout ce qui fait partie du Bengale et du Bengale oriental, quoi. Alors, attends. Ah, et il me faut aussi ce petit truc-là, Chattagram. C'est quoi Chattagram? Chattagram, c'est une province qui est juste en dessous de Dhaka et Tripura. Alors, il te faut Chattagram, Dhaka... Attends, je vais tester ça. Ouais, tu sais quoi, on va pas se faire chier, j'en ai rien à foutre. Delta du Bengale, Dhaka, Goda et Chattagram. Confirmer la Thalato. Je suis en guerre, j'achève le tondo et je suis à toi. Ça ferait que fasse quoi, oligarchique, théocratique, on s'en fout. Je m'en occupe, pardon. Hop, on accélère un peu le temps. Merde, c'est pas que, mais voilà. J'ai envoyé deux hommes ici, non, ils continuent le chemin. Est-ce qu'on a des gens ici, là? À quel âge vous... Quelle heure vous occupez de ces enfoirés? Merci. Est-ce qu'on a des gens avec des généraux qui sont arrivés? Pas encore, hein. Donc déjà vous allez choper un général, n'importe qui, on s'en fout. Les séparatistes omanais. Quelle horreur. Détruisez-les. Non mais c'est au secours. Ça pète de partout, c'est une horreur. Moi j'ai enlevé le général aux mecs qui sont allés gérer les rebelles sans faire exprès. On rembourse, voilà, ça c'est fait. Non mais attends, wow, on va se calmer là. J'ai 5 rébellions qui ont explosé. Wow. Révolutionnaire Khmer, ah bah ouais, ils ont pas apprécié que tu redeviennes empereur. Ah non, ils ont pas apprécié, non. Ah la vache, séparatiste brunéen, séparatiste malapaïte, ouh. Ah, c'est la fête là. Tu veux un coup de main? Ouais. Ça devrait le faire, mais... Ah, mais au fait, l'institution, on l'avait prise, oui, on l'avait complètement prise. Je te laisse les 52 000 à la frontière, allez. Ça te va. Hop, j'ai oublié d'enlever mes édits. 52 000 à la frontière, ah oui, là, un général, les gens, un général, merci. Ah, ton dos a quand même 35 000 hommes, il a débarqué sur mes îles avec un général 3 étoiles. Putain, il rigole pas, hein. Bah, tu prends pas l'IA au sérieux, hein. Ah bah pas ton dos, non. Ouais, ton dos, t'es pas beaucoup plus petit, hein, quand t'as commencé, ouais. Hein. Et un, bon. C'était avant, ça. C'était avant, maintenant je suis l'empereur céleste, bordel.
Ouais, alors faites pas chier. Sinon, on laisse le Bengale se séparer, puis après je le bouffe, comme ça t'as même pas besoin de me donner les provinces. Voilà, ah, ça, tu veux dire que je libère le Bengale? Non, non, ça serait super long, c'est bon. Avoir des trêves et tout. C'est bon, allez go. Je vais m'occuper des séparatistes bengali. À l'ancienne, dans la sueur et dans le sang. Qu'est-ce que t'as à toi? 50 points de mine ou 50 en prestige? Bah, ouais, on a 2 points de mine, hein, qu'est-ce que je vous dise. Allez en avant, hop là, vote sur place, c'est parti. Encore des rebelles. Bah, de toute façon, tant que ton mandat céleste est en négatif, tu vas douiller. Hein. J'ai 8 rébellions qui vont arriver encore. Ah, je sais même pas quoi. Ah, bah, ça y est, ça continue. Un mandat inférieur à 50 impose comme modificateur agitation de pays plus 5. Aucun mercenaire, modif de production et tout, c'est le drame, donc non, faut que tu te prennes des tributaires, mais vite quoi. Attends, parce que c'est plus possible. Attends, j'ai un problème. Ah bah, les viewers t'avaient prévenu, hein, si tu fais ça va partir en sucette. Ça va que c'est le dernier épisode quoi. J'ai même pas le temps de voir, j'ai eu une défaite. Attends, là, je ne sais plus. Je sais pas où elle était ma défaite. Vas-y, regarde tranquillement, moi je gère. Je gère de mon côté. Bah, si tu veux venir chez moi faire coucou, hein, vas-y, c'est open bar. Bon, d'accord, je viens. En plus, ils sont costauds tes rebelles là, hein. C'est pas du, ah ouais, c'est ouais, pas non, du pipi non, de rebelle quoi. Ah non, c'est pas du pipi de rebelle comme tu dis. Là, je devrais gagner. Là, on va y aller. Je vais m'occuper des 50 000 mecs là qui traînent là. Et justement, attends, je vais regarder qui je peux prendre mon tributaire. Ah ouais, puis il y a des révolutionnaires qui se tatanent avec des séparatistes quoi. Ah non, c'est la violence hein. Et où qu'on peut voir ça? Il n'y a pas un endroit où on ils peut. Ils sont en train de se barrer, ils vont où? Devenir tributaire. Aucun pays ne peut être choisi pour mener cette action. Merde. Ah! Ça c'est triste. Comment ça se fait? Bah, il reste plus grand chose en petit pays hein. Et ouais, il y a plus grand monde hein, en tributaire là. Regarde autour de moi. Faudrait que je vire Dali et Moi je peux imposer un tribut à Passai, aux Oirat, à Alodi et à Farz. Ça doit juste être qu'ils peuvent pas te saquer en fait. Ils sont indignés ouais, envers moi donc. Ah ouais, c'est pour ça. T'es l'expansion agressive qui fait mal. Et donc fais voir combien elle est mon. Agitation à plus 10, ah oui quand même oui. Ah ouais. Entre la surexpansion est à plus 6,64, le mécontentement plus 2, l'unité religieuse 0,69, la lassitude de guerre 3,93. Je vais au moins réduire ça. Ouais. Voilà. Ah, allons-nous assister à la chute du Khmer dans les 20 dernières minutes de partie? Ça serait la classe, hein. Ce serait épique, franchement. Franchement, ce serait épique, quoi. Et moi, je bouffe les cendres et je deviens le nouvel empereur. Et je vassalise la France. Allez, et ça, c'est beau. On fait ça. Ce serait la classe. Ah purée. Je vais peut-être t'envoyer 40 000 hommes supplémentaires au cas où, parce que quelque chose me dit que ça va continuer de péter violent. Ouais, c'est ça, c'est chaud, ouais. Les forts, en attendant, donc ça, on améliore. Ça va que j'ai eu le temps de refaire des réserves, hein. Bah moi, justement, j'en ai quasiment plus, hein. Ah ouais, ouais. Vache. Comment ça se fait? C'est t'as laminé? Bah, je viens d'enchaîner 3 guerres plus les rébellions, ça commence à faire un peu mal, ouais. Mais pourtant, non, pourtant, contre le Ming, j'ai pas eu de grosses défaites, hein. Ah, les révolutionnaires vont gagner face aux séparatistes. Bon, les gars, on renforce. Allez, en Malacca, 50 000 hommes. Ouais, bah, ça va pas arrêter quoi. Est-ce que ici il y a un endroit où il n'y a pas de fleuve? Non, mais de toute façon ils ont pas de général, on s'en fout. On aura pas le malus. Bah, je vais descendre m'occuper de Malacca après alors, ou des révolutionnaires qui sont en dessous là. Est-ce que vous avez moyen de vous mettre en marche forcée vous? Genre pour venir ici en speed. Alors, on est quand même que 29 000, on a un peu douillé, on va peut-être attendre un petit mois que la... De toute façon, il va être à peu près de finir ce siège, là. Oh, il y a une forteresse de level 8, quoi. Je vais attendre que les troupes soient un peu renforcées, je m'occupe des mecs qui font le siège d'Ava. Et ça continue, les rébellions.
Bah ça va pas s'arrêter de toute façon. Tant que ton problème n'est pas réglé, ça va pas s'arrêter. Ouais. Ah c'était vraiment pour le fun, hein, mais voilà, ça aurait pas été le dernier épisode, je l'aurais pas forcément fait. Parce qu'effectivement, je m'étais souvenu de l'avertissement. Ouais, un nouvel empereur. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie lui déjà? Ah bah il fait rien, ok. Comme ça c'est fait. Ici on est assez nombreux, on y va. Merci hein. Non, vous vous arrêtez, tu mériteras bien que je te donne tes territoires et que tu te convertisses du coup. Bah t'as déjà dû les convertir ça se trouve hein. C'est quoi la méritocratie? Parce que j'ai un truc qui s'appelle la méritocratie, je ne sais pas ce que c'est. Oh, attends. Il se trouve de trucs. Mon dieu, j'ai des milliers de fenêtres comme j'en ai jamais eu. Ça va, t'essaies la République, sinon c'est cool. Ouais, putain, c'était mieux, hein. C'est que 37 000, ouais. Ah, c'est ça la méritocratie? Ok, d'accord. Ok. Donc j'ai changé de. Ok, donc j'ai perdu en stab. Tant qu'à faire. Ah oui, tant qu'à faire. Ok, c'est bon. Enfin, je crois que c'est bon, je sais même pas. Putain, en plus, je me tape des rébellions chez Tondo, quoi. Enfin. Pff. Ah, déjà, c'est la merde comme ça. Alors, Ava, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de ces cons. Ils vont là-bas. C'est parti. Vous, vous descendez vers Malacca, là. Tranquillou. Sans stress. Alors, 50 points admin, 50 points diplomatique ou 50 de prestige. Ouais, on va remonter un peu le prestige et prendre les points diplo. C'est 22, merde, je prends l'inflation. C'est un truc de ouf. C'est la pire fin de partie que j'ai jamais fait. Allez, je perds 30 000 réserves militaires. Allez, oh, je suis descendu à 30 000 de réserves militaires. Hein. J'ai jamais fait aussi bas depuis un siècle. Ah ouais, 30 000, ça commence à jouer, ouais. Bah en plus, t'es descendu à 5, en dessous de 50 de mandat céleste, donc là, tu vas commencer à vraiment douiller. Ouais, mais ça va continuer de péter dans tous les sens. Hein. C'est là, c'était rien jusque-là, quoi. Ça continue, il y en a de partout. Bah tiens, tu vas dessus sans faire exprès ou en le faisant exprès, je sais pas, mais... Ah non, j'étais en train de corrompre les fonctionnaires des Ottomans, là. Alors, on a terminé notre intégration. Je suis allé dessus. Ah putain, ouais, la vache, il y a 50 000 hommes, là. La vache, j'étais pas prêt. J'ai des trucs ça à va le faire, hein. Ah bah oui, les trucs qui étaient en cours, hein, que je lui ai donné. Tiens, bah les King Yang, là, King Sang, ou je sais pas quoi, King Wang, exigeaient plus de troupes. Voilà. Alors, on me pousse énormément, même. Comment ça se passe dans le coin? Attends, je me pose deux secondes pour gérer le maroir. Hein. Je viens de terminer d'intégrer. Alors, il y a des forts pourris déjà, on va regarder ça tout de suite. Il y a un fort ici qui est pas mal. Il en faudrait un là également. Ouais, genre ici ce serait bien. Hop, c'est parti. On met à jour tout ça. Ça, c'est un fort de merde. Est-ce que c'est utile? Ouais. Ouais, si, c'est plutôt utile quand même. Bon. Il avait des hommes, hein, ce monsieur. Il avait des hommes qu'on va envoyer à Lahore. Attends, ça fait. Ah, et du coup, comme mon mec est mort trop tôt, ma reine régente, c'est une reine japonaise, quoi. Oh le bordel. T'as un héritier? Maintenant, oui, ouais. Et c'est un Khmer, l'héritier. C'est un Khmer, ouais, ça va. Enfin, ça va, ça serait triste. Putain, Ceylan est beau quand même, hein, faut avouer. Là, tu dézooms, ça fait plaisir. Ah ouais, ça quoi. Y est, ah, c'est, ouais, c'est la classe. Ça fait plaisir. En termes de nombre de troupes, on n'a même pas dépassé notre limite en plus, donc on est bien. Alors, du coup, ici, on s'entraîne. Par les manchus un peu le Ming, ok. Hop, j'enlève la pause histoire que ça avance un peu.
qui est marrant, c'est que on peut pas se l'enlever, hein, le... Ça, après, de... De quoi, le mandat céleste? Ouais. Ah bah non, tu l'as choisi, tu peux pas dire « Oh non, en fait, ça me fait chier, je suis plus empereur. » Tiens, tiens, je te le rends. Bon, tant pis. Bon, ça c'est géré, on va continuer d'avancer. Où est-ce qu'il y a d'autres gens qui font chier? Ça va pour l'instant, ça se calme un peu. Ouais, c'est sur les îles, après, il y a encore 46 000 hommes là-bas, ouais, on va commencer à descendre avec eux aussi. Ah mais t'es en train de d'aller t'en occuper là. Je suis en train de remonter, tu peux faire la limite des 50 000 si tu veux, et puis après... Bon bah je vais rentrer cela au pays pour l'instant. Ah, ça vient de repéter encore sur les îles hein, d'ailleurs. Et je commence à intégrer des provinces, il était temps. De toute façon, si... Ah ta guerre est pas finie en plus avec ton dos là. Ah non, je voudrais essayer de la finir, mais je crois que je vais y mettre un terme parce que... Ah non, mais envoie des troupes, je vais m'occuper de tes rebelles, c'est bon, on va finir avec ton dos quoi. On a trop de bateaux, non, on a trop de troupes, ok. Et des bateaux, c'est bien. Bon bah du coup, cette armée-là, on va pas l'améliorer tout de suite, hein, elle est trop... Attends, c'est de la merde en plus. Sérieux quoi. Alors, les forts, ça c'était plutôt pas mal, hein. Cette ligne-là, elle me plaît plutôt bien. Après, il en faudrait un dans le coin également. Qu'est-ce qu'on a ici comme terrain? Un peu de la merde. Ah, il y a de la montagne ici. Ouais. Ouf. C'est pas ouf. Ah, des rébellions chez moi. D'y entre. Indépendance de Garja. Ce truc. Ah, c'est ces trucs-là, là. C'est ceux qui sont là. Ok. 40 000 hommes, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il y a une province capable de porter autant de troupes? Là. Puis vous allez là. Alors, des conversions, ça c'est bien ça. Encore pas mal de rébellions de prévues. Ça commence à se stopper tout doucement. Ouais mais ça se stoppe parce que à force de les écraser t'as moins 10 mais ça va disparaître ça. Ouais. Bon ici on est 60 000, on peut s'en occuper. Le 8 avril, le 13 avril c'est pas mal. Une doctrine, plus 33% de réserve nationale et 1 d'innovation, c'est parti. Putain, ils étaient de l'autre côté, j'ai cru que j'allais me faire défoncer. Ah oui, ok, il y avait un fort ici, parfait. Alors, on va dessiéger ça, non, ça se dessiège tout seul. Du coup, t'as géré les rebelles là, ok. Bon, bah je vais commencer doucement à remonter vers mes nouvelles provinces. N'est-ce pas? Sinon, je peux encore les prendre par la force, hein. N'est-ce pas? En plus, on me l'a demandé. On va peut-être les payer, ces forts. C'est moche, ces forts désactivés au milieu de mon territoire. Là. Appauvrissement des artisans. Ah merde. Oh non, on va leur venir en aide. L'ère industrielle n'est pas une raison pour appauvrir les paysans. Je suis pas du tout d'accord. Ça ne va absolument pas. On est un empire despotique, on est pas une hérésie capitaliste quand même, faut pas déconner. Ici ou ici c'est kiff kiff en fait. Je vais plutôt faire là le fort. Faut combien pour faire un fort? 764, très bien. Ah ça y est, je vais pouvoir achever ton dos normalement. Du coup tant qu'à faire... Alors, on peut pas développer plus, c'est triste. Mais what? Oh, putain, mais ils survivent à chaque fois, c'est pas possible! Non, mais j'arrive pas à les stack wipe! Un truc de dingue ça! Niveau de développement, où est-ce qu'on pourrait foutre un peu de points, tiens là? Du sel, c'est pas ouf, mais ça fera le job. De dingue, je n'arrive pas à les stack wipe! Là, ça devrait aller quand même! Putain! Il faut courir, hein!
Ah, mais t'es pas assez nombreux, t'as à peine 5000 de plus. Ah bah ils ont plus de morale. Ouais, Bah mais force juive. ils remontent vite leur morale, rien, il est déjà presque à un quart, quoi. Je commence à galérer en nombre de troupes. Je vais aller en chercher, hein, parce que ça devient impossible. Ouais, rien de comme tu galères à les battre, quoi. Ah Ils bah là sont tu coûtes costauds, le tellement Tondo, cher ouais. que... Ah, ils sont tech 30, le Tondo! Ah non, c'est les Khmers, pardon. Bah, ils sont quand même tech 29. Non Ça mais je vais chercher déconne des pas, troupes, quoi. c'est bon, j'en ai marre. Là, elles se sont trop épuisées au combat. T'as 177 bateaux de commerce qui se baladent, avec 68 galions lourds et tout, c'est la fête, quoi. Ah oui, mais les bateaux de commerce, ils font plus de commerce depuis très longtemps. On a des séparatistes qui se sont soulevés. Ah, c'était là. Ah, bah, je me suis gouré, tiens. Je pensais que c'était en haut. Alors, on a un mec qui est mort. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est un peu de la merde, ça. Bon, on va le prendre Oh, quand même. Non, Tondo, il est en ça, train de c'est me mieux, ça. sérieusement me casser les couilles. J'en ai marre. Ça, c'est beaucoup mieux, Ces ça. îles de merde, c'est des îles de merde, sans déconner. C'est des îles pourries. Ah, mais t'as voulu jouer, hein. Ah T'as putain. voulu jouer maintenant, maintenant que tu joues, quoi. Je voulais finir en beauté, bah putain, bien mal m'en a pris. Hein. Ah, tu faut que je débarque ou ça va aller? Non, non, ça c'est bon, je renvoie des troupes maintenant, c'est bon, ça va le faire. Mais en plus, ça arrête pas de se rebeller là-bas. Il y a des révolutionnaires Tondo sans arrêt. Enfin, Tondoan. C'est imbuvable son truc, imbuvable. Allez, file-moi mes provinces que je commence à convertir. Ouais, mais justement, il faut que. Ah, faut que tu sois plus en guerre, c'est vrai. Non, mais je vais venir t'aider, c'est bon, quoi. Ah, Oh, bah, 27 de mandat céleste. Ah bah oui, non mais Ah, je prends cher. le drame absolu, quoi. Bon, je descends pas encore à zéro comme le fu comme fut feu le Ming, mais... Ouais, bah ça va aller vite, hein. Oui, par contre, oui, ça va aller vite, ouais. Et tu peux pas... T'as tes diplomates qui améliorent les relations, j'espère, pour histoire de... Deux. Bah, de faire en sorte qu'ils acceptent d'être ton tributaire. Bah, j'ai personne. Bah non, si tu veux faire Brunet, je suis à moins 200, Passai, je suis à ouais, moins 78 à la limite. Ouais, Passai, c'est peut-être jouable. Ouais, faudrait que tu imposes par la force, quoi. Ouais, à mon avis, ouais. Ouais, je déclare une guerre, quoi. On n'a plus trop le temps pour ça. Ah, même à 38 000, j'arrive pas à les stack wipe, c'est pas possible quand même. Ah non, mais il doit avoir une discipline de ouf, quoi. Il m'emmerde. Puis ils ont un très bon général. Voilà, c'est bon, je pense que ça va le faire, j'espère. Bah, de toute façon, tu les stack wipes, c'est la bataille instantanée, mais ouais, t'as vu, leur morale, il remonte très très vite, hein. Ouais, Ah, on a ils ont un 100, héritier. 113 hein, quand même hein, de discipline. Hein. Toujours pas. Putain, excellent. Ah non, mais ça aurait été eux qui m'ont fait le plus galérer, quoi. La En fin de vache. partie, c'est la classe, hein. Je vais commencer à ramener ma flotte au cas où. Non, mais c'est trop énorme, quoi. Je peux pas finir ma guerre hein, contre. C'est pas possible, hein. Je vais t'envoyer 20 000 hommes en renfort, quoi, histoire de... Mais non. Galérer un peu parce que. Voilà. Ça y est! Ah bah putain! Alors, ça va gueuler, conversion de Ceylan. Bah, les gens, bah non, mais faut aimer la religion, c'est une belle religion. En plus, on a deux de. Ah, on a encore perdu un conseiller, c'est la fête. Discipline! Oh là là! Un discipline plus 5 qu'en plus je vais pouvoir améliorer, quoi. Ça, c'est beau. Mais avant, un fort. On a dit à Mewat le fort. C'est parti. Ce sera collé à celui-là, mais il couvrira la ligne là. Donc c'est pas trop un problème. La trêve avec Transoxiane a expiré, on a trop de points. Voilà, stop. Des trucs à développer. Je sais pas moi, des trucs à développer. Vous êtes marrant. Je t'en fous d'avoir trop de points maintenant. Ah non, quand même. On va continuer de faire les choses proprement. J'ai pas envie d'avoir des rébellions qui explosent partout, moi. Merci. Tu ne vois pas le rapport? Eh ben moi si. Bon, est-ce que t'as besoin de troupes du coup? Non, c'est bon. Ah bah c'est bon, je peux déjà tout lui prendre en fait.
Ah bah là je pense que oui quand même, hein. Il doit être un peu usé le mec. Hein. Allez, stop. On a marre de la guerre. Voilà! Oh, je perds 5 en mandat, je suis plus à ça près. Oui, ça se rebelle partout, oui, encore et toujours. Du coup, bah oui, j'ai des rebelles, du coup, faut que je les gère. Ok, bon, vu que je suis enfin en paix. C'est l'âne. Vendre une province, tac, 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 tac. Ah non, faut, oh, je peux pas faire... faut faire une par une. Vendre une province. Bon, alors, tiens. Ah oui, pardon, je vais pas enlever les prix, hein, par contre. Je sais pas si je pourrais t'en acheter 36 à ce prix là par contre. Non non mais je vais enlever les prix pour la prochaine. Pourquoi j'ai demandé une pause? J'ai pas demandé une pause, si j'avais demandé une pause, très bien. Bon bah je vais garder. Maintenant quoi, je vais pas garder mon mec puisqu'il faut que je les légitime avant. Donc il va aller bosser le missionnaire. Ah oui putain, faut que tu légitimes. Il est vrai, j'avais oublié ce détail. Et oui. Ah bah une rébellion, ça faisait longtemps. Tu sais que... Alors je vais me sentir très con, mais tu sais que j'avais... J'avais oublié le bouton autoriser la neutralisation autonome des rebelles pour les armées. Tu sais que normalement ils y vont plus ou moins d'eux-mêmes. Ah toi, bah, j'ai jamais utilisé ce truc-là. Bah voilà. J'ai même pas où il est le bouton. Une espèce de botte. Alors attends, il y a des pirates qui louent où ça? Où est-ce que je vous écrase les gens? Bah ils sont où? Ils sont nulle part? Il n'y a pas de pirates, si vous me racontez. N'importe quoi. C'est quoi? C'est genre quand tu choisis... Enfin, tu cliques sur une armée. Tu cliques sur une armée. Après, ah, oui. Ça marche, ouais. Oui, ça a l'air de marcher vite fait, mais... Genre là, est-ce qu'ils vont y aller de même, c'est con? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que... Normalement ils y vont d'eux-mêmes. Ils vont assiéger les provinces. Ok, mais du coup ils vont pas se dire tiens, il y a de l'agitation là, je vais aller me poser dessus quoi. Apparemment pas. Ouais, par contre avec... avec toutes ces conversions, je vais exploser mon karma, va falloir qu'on déclare une guerre à un moment quoi. Non c'est bon, c'est fini là. C'est fini monsieur. Ah t'as même la noblesse qui se rebelle, bah putain. Ah oui, puis j'ai re de la surexpansion avec tout ça, bah bien sûr, quel con. Alors, je vais juste débarquer là, parce que j'ai des territoires que je vais finir par perdre. C'est l'âne. Moi, c'est hallucinant, par contre, l'agitation, mais c'est tellement écroulé, quoi. Ouais, tu peux me les faire payer, hein, parce que franchement, j'ai l'impression que t'as un peu besoin de fonds pour financer tes troupes. Ouais, mais je m'en fous. Pire, si t'as plus de réserve, tu fais du mercenaire, hein. C'est à ça que ça sert. Hein. Ah bah non, oui, t'as un vrai. Mandat trop bas. Ah oui, c'est vrai. Mercenaire disponible, moins 100%. Je ris. J'en ai pas utilisé toute la partie des mercenaires, ça me ferait chier de commencer maintenant. Ah ouais, jamais? Non. Pas une fois. C'est propre. J'essaye, j'aime pas ça, je suis comme toi donc. On va poser quelques généraux dans le coin peut-être. Oui, faut que je continue à t'en vendre. Allez, ici, un général, on s'entraîne. Hop. Ici, un général, on s'entraîne. Ça recommence à péter dans tous les sens. Ah, tu me dis, hein, tu as besoin. Je floue de ma touche entrée, quoi. Passer les messages. J'ai jamais fait ça. Ouais, j'ai plus de marchands en Malacca, je m'en bats les couilles. Hop. Moi, ouais, je pourrais virer ça. Hop. Hop. Oh merde, ça se soulève sur les îles, c'est chiant les îles pour y aller. Ah, ça y est, on peut enfin prendre la tech diplo. Eh ben,
C'est pas dommage. Et je n'ai plus de réserve militaire. Ah, tu veux que je m'occupe du territoire et puis que tu t'occupes des îles ? Je peux venir un peu dans le territoire, mais je m'en fous, je vais claquer. Hop, je vais claquer des points de professionnalisme. Voilà, on est remonté à 160 000. Oublie pas que quand t'es en. Qu'est-ce qui se passe ? Oublie pas que quand t'es en marche forcée, ton moral ne remonte pas. Ouais, ouais, tout à fait. Faut que je fasse ça aussi. Pff, de toute façon, ça explose de partout, là. C'est pas tenable. Alors, au niveau des forts, comment on est ? Pas si mal, hein, il y en a deux là, est-ce que ça vaut le coup de les garder ceux-là ? Ouais. Pas ouf, ouais, quoi que si. Allez, sympathie pour les rebelles, ça continue, ça explose partout, ça c'est une catastrophe. Ouais. J'ai contacté un emprunt du coup, parce que je n'avais plus fait, je suis à moins de 300 quoi. Ouais, ils tentent de... on déclenche une guerre contre une merde juste pour que tu puisses faire un impôt de guerre, quoi. Non, il est temps d'arrêter, je pense, la partie. avant que tu décèdes lamentablement. Ouais, ouais, j'aurais fait une fin lamentable. Je m'en excuse, hein, mais bon, c'était pour, voilà. Ah bah, t'as ça... voulu jouer, hein, c'était beau, hein. Prendre le mandat Céleste au Ming, c'est quand même classe, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, le gérer derrière, c'est mieux, quoi. Ouais, après là, le gérer derrière, c'est un peu la quête, ouais. Mais là, j'y arrive plus, c'est plus possible. Je suis complètement esselé dans tous les sens. Bon, bah, il me reste plus que Chatham, et puis je pourrais faire ma mission, je pense. Je vois ça, dès que je peux. Chatham. Ah bah, voilà, ça explose à ton dos, enfin c'est ouais, je suis en train de prendre tellement cher. Et c'est ça, un chatagram. Non mais écoute, je vais t'envoyer des gens. Hop, vous allez là. Allez, pour le fun, j'espère que tu peux. Je peux pas mettre plus cher, j'ai mis le plus cher possible. C'est le maximum. Tu peux pas ? Attends, je l'ai pas tout de suite. Est-ce que les marchands peuvent me filer du blé ? Les marchands, ils non, peuvent me filer 4100. Ah voilà. Je pense que je peux me Allez, permettre. Allez, c'est bon, c'est passé du coup. Bravo. Ouh, c'est quoi ça ? La République des Donations demande que nous venions à son aide dans la croisade des Donations contre les Ottomans. Ottomans est allié à la France révolutionnaire et à Fars. Ah bah ouais, mais ils se déclenchent un peu tard, ces cons là. Si nous acceptons, on nous a promis des gains territoriaux à l'issue de la guerre. Allez, ah hop. Bah merde. C'est parti, on va accepter. Tu peux intervenir contre... Ah non, je peux intervenir contre vous, quoi. Ah oui, bah ouais, du coup, normal. Ouais, mais non. C'est bon, je suis assez dans la merde comme ça. J'ai pas envie d'avoir Célan qui débarque. Bah rien, je suis en train de débarquer, hein. C'est pas grand-chose que ça se transforme dans un débarquement inverse. Bon bah du coup, si on veut faire mon event, faudrait, enfin mon défi, il faut qu'on accélère à fond pour que ça soit légitime vite quoi, mais je sais pas si ça sera gérable pour toi quoi. Non, ça va être compliqué, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Bon bah du coup... On va s'arrêter sur cette chose très moche. Voilà, la guerre avec les Ottomans tant attendue est enfin arrivée en plus, c'est dommage mais... Au moment de la fin de la partie. Lui aussi il a des révolutionnaires partout. Bon bah vous aurez pas vu ma fenêtre, vous verrez pas mes rébellions, vous pouvez pas voir mon écran, mais alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 rébellions en cours, là il y a à peu près 250 000 hommes qui sont rebellés, à peu près. Ah, 200, même en dézoomant, je les vois pas tous quoi. Ouais non mais renversement du gouvernement, indépendance... Brunet, 87 000 hommes pour l'indépendance de Brunet, enfin c'est la folie. C'est n'importe quoi. Ah ouais, bon, voilà, c'est de la fin de partie quoi. C'est n'importe quoi. Cela dit, je remercie quand même s'il y a des gens qui vont jusqu'à là, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à regarder nos conneries et surtout la mienne, enfin le n'importe quoi là, qui est plus intéressant. Vraiment merci parce que moi à votre place je l'aurais pas fait, je pense. Donc bravo, ouais. Respect. Et on s'est quand même bien éclaté sur cette partie. Merci de nous avoir suivis, c'était vraiment cool. Ouais, c'était sympa, ouais, vraiment. Vraiment, c'était. J'aurais pas cru qu'on s'amuserait autant sur un deuxième let's play que sur le premier, et en fait, si. Si, si. Donc voilà, après, pour ma part, voilà, on va mettre une bonne pause sur EU4 en multi. Je pense qu'il y en a besoin, pour moi en tout cas.
Ouais, on va probablement s'arrêter un moment pour le multi. En tout cas, de U4, peut-être qu'on viendra sur un oui, autre sur jeu, U4, ou peut-être d'un coup ça va revenir, on peut rien dire. Mais bah, moi, de toute voilà, façon, là, on s'arrête aussi parce que voilà, il y a les congés qui tombent et donc ça sert à rien de continuer, enfin de s'arrêter puis de reprendre le truc dans 3 semaines. Non, moi je vais partir, revenir, repartir où il y a des gens qui vont venir. Enfin, après, c'est pour refaire de l'entrecoupure pourrie, ça n'a aucun intérêt. Oui, pour et la puis série, cette pour partie, toi, elle est terminée de toute façon, donc on va s'arrêter là pour cette partie. Si vous avez des envies ou des idées de trucs que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On promet rien, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir vos avis à ce sujet-là. De toute façon, je n'arrête pas le multi pour... Enfin, c'est pas j'arrête le multi avec, mais avec non, le signe, mais non, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas. Il n'y a pas eu de clash YouTube. Non, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de scission, je continue à lui faire ses vignettes, on continue à gérer ça ensemble, je continue à suivre quand même ses... Je suis pas sans Let's Play U4, parce que U4, je commence à en avoir au-dessus de la tête, même si j'adorerais ce jeu, j'y reviendrai avec plaisir. Mais je... Voilà, et... non, c'est... Bon, ça fait longtemps qu'on en a parlé, hein. Ça fait au moins il y a 30 épisodes, 20 ou... maintenant 20 ou entre 20 et 30 épisodes que oui, c'est établi. C'est pas un souci, t'inquiète. Mais voilà, je reviendrai avec plaisir parce que je me régale toujours, enfin franchement ça fera partie de mes meilleures parties sur U4, mais voilà, enfin des possibilités, il y en a, alors bon, je sais pas où, quand, comment, mais j'ai toujours dans le coin de ma tête de me dire un jour, voilà, recréer... Pourquoi pas créer deux pays quelque part et carrément se creuser deux pays comme t'as fait. Et... Ouais, des pays. Bah voilà, custom. Des idées, il y en a. Ouais, ouais, du custom, bah, c'est ce qui manque. Hein. Il n'y a pas de souci, je pense qu'on aura possibilité. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, merci, un petit aperçu du monde à la fin de la partie. On ira voir les stats aussi. Ouais, ce voir que les tu peux statistiques. Faire. Hein, si tu fais échappe statistiques, je pense que tu ouais. peux déjà pouvoir les montrer. Alors j'ai l'armée la plus nombreuse, bon en marine on est 11ème, c'était pas surprenant. Superficie la plus importante, province la plus riche, deuxième revenu le plus important et revenu commercial le plus important. Et on est premier au score historique à 11 000 points devant la France à 6700. De toute façon, tu peux pas test, je suis le revenu le plus important parce que là j'ai plus 1705 sur ce mois, n'est-ce pas? Donc... Ah bah oui, du coup, faire, ouais. C'est clair. Donc, tu es le premier revenu le plus important hein, pour le coup. Ouais, y a effectivement vu comme ça. Je suis à combien d'ailleurs de revenus? On va regarder, quitter le jeu non. Je suis que à 159, hein, c'est pas non plus ouf. Hein. Non, mais c'est pas mal. Hein. Moi je suis troisième armée la plus nombreuse, bon je pense que j'ai pris une petite claque là, je pense que j'étais deuxième. Je suis quand même marine la plus importante, deuxième superficie la plus importante, ça a pas bougé, deuxième province la plus riche, ça c'est pareil, ça a pas bougé. Revenu le plus important, bon bah je dois être 2, 3, 4, enfin même beaucoup plus loin là, hein. J'étais sûrement deuxième ou troisième ou premier, j'en sais rien, non pas premier, deuxième ou troisième. Ça a chuté là depuis que je fais n'importe quoi. Ouais, bah ouais. Et quatrième revenu commercial le plus important, je devais être deuxième, je pense, ou troisième. Mais comme mes bateaux de commerce n'en font plus depuis longtemps. Voilà, pour ma part. Et voilà, et vous pouvez voir les puissances du monde. Donc on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous, et on se retrouve de toute façon, bah, pour ma part, très bientôt pour plein d'autres aventures. Merci à toutes et à tous. Merci à tous, à très bientôt.